Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette vidéo sur Resident Evil 2. Non, pas le remake, l'original, que je fais sur émulateur et que j'ai voulu faire une vidéo dessus, tout simplement parce que j'avais envie, voilà. Donc on va faire une petite vidéo de peut-être 20 minutes dessus, puis on verra si j'en ferai d'autres par la suite. C'est juste un petit test pour voir un peu ce que ça donne. Voilà. Et là vous allez dire, mais il met en débutant. Oui, bon, et, hein. On est fort, on ne l'est pas. Moi je suis de l'autre côté. Voilà. A bizarre incident occurred in the outskirts of an American suburb called Raccoon City. It was later revealed that the terrible disaster had been caused by the T-virus, a mutagenic toxin created by the International Enterprise Umbrella Incorporated for use in bioweapon experiments. The Raccoon City Police Department's Special STARS Unit immediately began investigation in the affair. The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. But the Umbrella Corporation's experiments were far from finished. Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Wait! Don't shoot! Get down! We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Went insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ah! No! Get out! Look out!
still in one piece. Hey! That maniac's got wheels! Run! Claire! Leon! I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Et c'est maintenant que le périple de Claire va commencer, les amis. Après le chargement qui dure les plombs. Voilà. Ouh, il y a quand même des bugs là sur cette version. Je sais pas pourquoi. Enfin bon. C'est bizarre. Lâche-moi toi. Déjà, ce que je peux faire, c'est que je peux pas, c'est ça, voilà. C'est beaucoup plus rapide. Who are you? What are you doing? Il y a une arbalète. Don't shoot! I'm a human. Avec Léon, il a un fusil à pompe. Ooh. Sorry about that. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Je vois. J'ai quoi sur moi, là? Ah, j'ai le truc infini. Ok. C'est pas trop cheaté, ça va. J'aurais pas dû passer là parce que, attends, il y a le... Attends. Je vais retourner là. Oui, bah je sais pas si du coup je vais avoir la balette. Tout de même, on va voir ça. Par contre, je crois que je n'ai pas mis la visée auto. Ah si, alors, allez, dans la main. Je pense que c'est bon. Alors, fusil arbalète. Je sais pas ce que ça donne l'arbalète. Je sais pas si c'est comme dans Code Veronica, donc un truc bien nul. Ou pas. Méchant rabot. Je sais pas pourquoi il y a ça là. Une espèce de petit carré là. On dirait le truc du rectangle d'or là. Je sais pas, c'est bizarre. J'ai peut-être fait une manip qu'il fallait pas dans l'émulateur, j'en sais rien. Toi. Il faudrait que je voyais ça après la vidéo, hein. Parce que c'est quand même assez gênant. Faut l'avouer. Par contre, c'est bien un truc que j'aimerais mettre, c'est... La petite visée auto, je sais plus quelle touche. Quelle touche c'est là. Je sais même plus où c'est en fait. C'est pas les touches. Visée auto, voilà. Parfait. Oh ! Ça fait peur, je m'attendais pas à ce qu'il me bouffe. Il était énervé ou pas, lui ? Il m'a sauté dessus. Eh, dis donc. Ça m'a fait peur. Qu'ils sont tous morts là. Ah.
J'ai déjà fait le jeu avec Claire, hein, avec Léon si vous me demandez. Au cas où, oh, merde. Lâche-moi. Bon, je suis encore bien là. Au niveau de ma vie, ça va. Il y a un truc qui va être embêtant dans cette version, c'est qu'il y a certaines musiques de la version GameCube que j'ai qui bug un peu. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas, j'en sais rien. Ouais, peut-être que je prenne la version PS1, ce serait peut-être mieux hein, que la version GameCube qui bug. Donc là, on est au commissariat. Voilà, on est enfin arrivé au commissariat, c'est cool. C'est cool, cool, cool. Bon. On va aller là parce que c'est là qu'il faut aller. Avec comment s'appelle-t-il lui Hang in there. Je sais même plus. Are you the only officer left in the building? Who are you? Claire. Claire Redfield. I'm looking for my brother Chris. We lost contact with him over 10 days ago. Chris, Jill, Barry. Every last STARS team member has disappeared. Bah, Jill est toujours ici, hein. To them. What happened? On le sait grâce à Resident Evil 3. About 2 months ago, there was this incident involving these zombie-like creatures. In a mansion located in the outskirts of this city, Chris and the other STARS members discovered that Umbrella le 3 se passe avant et après le 2. At the risk of their own lives. But no one believed them. Are you okay? No. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. Here, take this key card. You should be able to unlock the doors in the hall with this. Now go. But... Just go. Just go. Vous avez vu, je connais par cœur. Hein. Okay. Just hang in there. Ah, j'ai quand même fait deux fois la partie avec Léon. J'ai deux fois fini le jeu avec Léon, l'original. J'ai jamais fait avec Claire par contre. Ni l'abyss ni la normale. Jamais fini. Parce que la première fois, j'ai perdu mes sauvegardes et j'ai dû recommencer. Voilà, voilà. Bon. C'est quand même bizarre ces espèces de petits carrés là, je sais pas ce que c'est. Allez hop, voilà, on a ouvert les portes. C'est... Attends. Attendez, attendez. C'est là qu'il y a la salle, j'avais même pas vu qu'elle était là, là. Sauvegarde. Bah, on va s'arrêter là, hein, les amis. Du coup, on va sauvegarder et voilà. On aura fini pour cette vidéo test, encore une fois, sur Resident Evil 2. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos de ce genre. Si je continuerai la suite de Claire Resident Evil 2, on verra. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah, ça me fera plaisir. Évidemment. Puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo bientôt. Voilà. Elle a quand même fait 14 minutes la vidéo. Voilà, donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, les amis. A plus.